Hello, my Annabelle friends. It's Colette. I'm so happy to see you today. Je suis contente de vous voir. Aujourd'hui, nous avons une histoire en français. Ça s'appelle Stella, fée des forêts, par Marie-Louise Gay. Stella, crie Sacha. Stella, où es-tu? Ici, chuchote Stella. Où? Répète Sacha. Je ne te vois pas. Évidemment, dit Stella, je m'entraîne à devenir invisible. Ah, te voilà, dit Sacha. Comment as-tu fait ça? J'ai pensé à des choses invisibles, comme le vent ou la musique. Ou les fées? Demande Sacha. Les fées ne sont pas invisibles, dit Stella. J'en ai vu des certaines. Vraiment? Où les as-tu vues? Dans la forêt, répond Stella. Là-bas. On y va? Je ne sais pas, dit Sacha. Est-ce qu'il y a des ours dans la forêt? Les ours dorment toute la journée, répond Stella. Suis-moi, Sacha. À quoi ressemblent les fées? Demande Sacha. Elles sont minuscules et ravissantes, dit Stella. Et elles volent très vite. Oh! Crie Sacha, j'en vois une! Est-ce que c'est une fée? Ou un papillon? Ce n'est pas une fée, Sacha, c'est un papillon. Un papillon? S'exclama Sacha. En es-tu bien sûr? Vois-tu sa baguette magique? Demande Stella. Non. Voilà, ce n'est pas une fée, dit Stella. À moins qu'elle ait oublié sa baguette magique à la maison, dit Sacha. Regarde, dit Sacha, ces nuages font la sieste dans les champs. Ce ne sont pas des nuages, Sacha. Ce sont des moutons. Des moutons? S'inquiète Sacha. Est-ce que ça mord un mouton? Mais non, répond Stella. Les moutons ne broutent que de l'herbe. Allons leur dire bonjour. Vas-y toi, dit Sacha, et dis-leur bonjour de ma part. « Planter toutes ces fleurs? » demande Sacha. « Les oiseaux et les habits? » répond Stella. « Des habits? » s'exclame Sacha. « Elles vont nous piquer! » « Mais non! » dit Stella. « Pas si tu marches très lentement. »« Stella, tu as un habit dans les cheveux. »« Cours, Sacha, cours! » Il faut traverser ce ruisseau, dit Stella. « Mais je ne veux pas me mouiller les pieds, » dit Sacha. « Grimpe sur mon dos, je te porterai. »« Je suis trop lourde, » insiste Sacha. « C'est trop glissante. Nous allons tomber à l'eau. »« Mais non, » dit Stella, « je marcherai doucement sur les pierres. » « Stella, est-ce que cette pierre était une tortue ?» Oui, Sacha, soupire Stella. Les tortues nagent très vite, dit Sacha. Est-ce que les fées savent nager? Est-ce qu'elles mouillent leurs ailes? Est-ce qu'on pourrait sortir de l'eau, dit Stella. Regarde, Sacha, ces arbres ont au moins 100 ans. Est-ce qu'ils sont plus vieux que grand-maman? Demande Sacha. Pas tout à fait, dit Stella. Grand-maman est très vieille. C'est pour ça que leur peau est si ridée? Demande Sacha. Ce n'est pas de la peau, répond Stella. C'est de l'écorce. L'écorce de grand-maman est plus dure, dit Sacha. Surtout sur les joues. Sur ses joues. Monte, Sacha, dit Stella. C'est si beau en haut. Pourquoi les lapins ne grimpent pas aux arbres? Demande Sacha.
parce qu'ils ont peur de tomber. Tu viens? Je ne savais pas que les lapins étaient si intelligents, dit Sacha. Je reste avec eux. Regarde ce joli serpent, dit Stella. Il ne veut pas nous avaler tout ronde, demande Sacha. Tu vois le serpent? Il est beaucoup trop petit, mais il peut avaler des petites personnes, dit Sacha, comme les fées. Je suis la reine du château, chante Stella. Pourquoi ces rochers sont-ils si gros? Demande Sacha. Un géant les arrose tous les jours, répond Stella. Monte, Sacha. Pas tout de suite, dit Sacha. Je crois que le géant arrose ces rochers. Mais non, Sacha, il pleut, dit Stella. Il faut se mettre à l'abri. À l'abri. Commande! Commande! Demande Sacha. Nous ferons un toit avec ces fougères, dit Stella, et nous dormirons sur un lit de mousse. Dormir! S'exclame Sacha. Et si les ours se réveillaient? Parle-moi fort, dit Stella. Les ours ont le sommeil léger. D'accord, chuchote Sacha. Notre maison est parfaite, dit Stella. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demande Sacha. On cherche les fées, dit Stella. Si tu en vois une, tu peux faire une sourate. Je vois une, crie Sacha. Ouh, ouh! Trop tard, dit Sacha. Elle s'est envolée. Tant pis, dit Stella. Quelle était ton sourate? Rester ici toute ma vie, chuchote Sacha. Avec moi, ajoute Stella. Et c'est la fin. Mes amis, au revoir, à la prochaine fois. Mouah.